Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 5 août 2017, c'est la Saint-Abel. Et à la Saint-Abel, on va parler de bâche. On va parler de bâche et de calculette parce que, en fait, j'ai regardé le live de notre ami Scott Vigé. Et en fait, il s'étonnait qu'il n'y ait pas d'autocomplétion dans Emerge. Regardez, si je fais Emerge gain to-tab, j'ai de l'autocomplétion. Ça ne marchait pas chez lui. Et en fait, en 2017, il manque, enfin, il y a des paquets qui ont été supprimés dans les images ISO. Et moi, quand j'ai installé mon système sur mon SSD, quand j'ai acheté mon SSD en 2013, j'ai réinstallé mon système. Et forcément, en installant Calculette en 2013, il y avait un certain nombre de paquets qui étaient fournis dans l'ISO. Et en 2013, on avait les paquets qui concernaient l'autocomplétion dans Emerge et compagnie, qu'on a plus en 2017. Alors, je vais essayer de voir si c'est possible de les réintégrer par défaut dans les ISO. Moi, vu que c'était installé par défaut, c'est resté installé par défaut, tout simplement. Et donc, j'ai beau continuer mes mises à jour, forcément, les paquets n'ont pas été supprimés, heureusement. Donc là, je vous lance une Calculate Cinnamon. C'est une Calculate Linux que j'ai installée il n'y a pas très très longtemps dans ma VirtualBox. Et en fait, je vais vous montrer les paquets installés pour justement avoir cette autocomplétion. Donc là, on se connecte directement. Dans une Calculate Cinnamon. Donc là, je lance ce terminal, je grossis, voilà. Donc si je fais Emerge, gain to, j'ai beau faire tabulation, il se passe rien. Donc, on se connecte en route et on fait quoi? On va regarder, en fait, ça, les paquets s'appellent bash completion, qui est de la complétion pour bash. Donc ça, on va en avoir besoin. Et on va avoir besoin de gain to bash comp, qui est l'autocomplétion pour bash spécifique aux lignes de commande de gain to, c'est-à-dire emerge, build, query, etc. Si vous êtes sur ZSH, voilà, vous avez de la même manière ZSH completion et gain to ZSH completion. Donc là, on va installer rapidos gain to bash comp et bash completion. Voilà. Donc c'est simple comme bonjour. Il calcule les dépendances. Donc je vais voir d'ailleurs au passage. Bon, c'est pas grave, je rédigerai un petit article vite fait. Donc là, tout ça en plus, c'est des fichiers binaires, donc c'est rapide à installer. Une fois que c'est installé, voilà, on se déconnecte. Donc, exit. Et exit. Ou on ferme le terminal. Là, je sais pas, il veut pas se fermer. C'est pas grave, mais j'avais fait des tests avec cette version Cinnamon. Du coup, elle est un peu waouh. Donc là, hop, on lance le terminal. Et si on fait emerge gain to tiret tab tab. Et voilà, on a la liste des paquets qui commencent par gain to. Voilà, donc si on veut, je sais pas si htop il y est, si, emerge, ht, tab, tab. Bon, ben on a tout ça qui commence. Hto, tab, top, voilà, il me remplit htop. Si on veut installer, je sais pas moi, par exemple, fire, tab, tab. Bon, bah, fox. Tab, voilà, il me remplit de la même manière jusqu'où il peut, quoi. Comme quand on fait, n'importe quelle commande, hein, quoi. Gray, tab, tab, voilà, il y a gray source ou grep. Bah voilà, dès qu'on lui remplit, on a des infos. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.